abonne-toi, je t'ai fait construire des pointes d'araignée comme moi. Tu vas le regretter. Les amis, regardez, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé un trou. Et attends, mais... Attends, mais Enzo, t'es coincé à l'intérieur? S'il te plaît, je suis coincé depuis 3 jours. Oh non, Sonic, faudrait que tu m'aides à retirer Enzo de ce trou-là. Vas-y, aide-le. Vas-y, on essaie de le tirer. Allez, viens. On tire. Ok, let's go les amis, nous avons réussi à sortir Enzo de ce trou. Et les amis, je me pose une question, mais qui c'est qui se cache à l'intérieur? Enzo, t'aurais vu quelque chose par hasard? Oui, je sais qui c'est. Allô, il y a quelqu'un? Non, il y a personne. Allez, on peut se barrer, j'ai pas envie d'aller là-dedans. Au revoir. Mais moi, je suis super curieux, regarde, je crois qu'il y a quelqu'un qui vit en dessous de cette base secrète. Enfin, dans cette base secrète. Les amis, vous savez quoi? Si vous avez une idée de qui peut se cacher dans ce trou-là, bah, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Et vous restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si vous avez eu raison ou pas. Non, il y a de l'eau. On dirait une sorte d'atterrissage, on tombe. Attends, ça se trouve, il y a de l'argent, il y a de l'or ou un truc dans le genre en bas, non? Toi, ce qui t'intéresse, c'est argent, argent devient argent égale argent. Bah ouais, logique. Définition de jeu final, j'adore l'argent, alors you argent, I'm king argent. Et toi, Sonic, t'as une idée de qui pourrait se cacher en dessous ou pas? Hein, Sonic? Waterman. J'ai une idée. Ouais. Mais c'est peut-être un personnage de Poppy Playtime. Un personnage de Poppy Playtime du chapitre 2? Oui. Ugi-Wugi, oui. Qui ça peut être entre... Ah non, pas Ugi-Wugi, qui c'est? L'autre, attends, on va essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui se déplace. Attendez les amis, j'essaie de m'accroupir pour voir si on voit quelque chose. Oh, je crois que j'ai vu quelque chose là, qui est passé. Attends, pousse-toi. Moi j'ai vu un peu... Pousse-toi Sonic, attends, pousse-toi. Oh, regardez les amis, il y a quelque chose de rose. Attends, je crois que c'est Mommy Longlegs. Effectivement. Attendez, je suis pas sûr. Si, c'est bien elle. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici, Mommy Longlegs? Regarde avec ses pattes de moche, toi. Bah attends, pousse-toi, tu prends toute la place. T'es moche. Ah ouais. Effectivement, les amis, j'ai eu raison. C'est bien Mommy Longlegs à l'intérieur. Et comment on va pouvoir descendre à l'intérieur? C'est la question que je me pose. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir s'il n'y aurait pas un moyen de rentrer à l'intérieur. Regardez s'il n'y a pas un levier aux alentours. Attends. Attends, j'ai une idée. Attends, Enzo. Mais peut-être. Tu me laisses parler, Enzo, tu prends trop, toi. Non, moi qui parle. Car moi, je suis amie de Tizen. Du coup, Enzo, il pourrait faire une potion, un truc. Comme ça, on pourrait devenir plus petit. Comme ça, on rentre dans le trou. Et puis après, on devient tout petit. Normal. Oui. Et puis après, oui, c'est une bonne idée, tout ça. Enzo, il va faire un gadget. Et puis après. Bon, du coup, Enzo, est-ce que tu serais capable de créer un truc pour qu'on devienne tout petit? Oui, je crois que ça s'appelle comme ça. Comme ça. J'ai la main. Ok. Ouais, je sais. Pour vous deux. Ouais, c'est parti. Bon, bah, du coup, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite rentrer à la maison. Nous allons créer des petites capsules à avaler pour qu'on devienne tout petit et on pourra enfin rentrer dans le trou, puisque comme vous avez pu le voir, le trou est quand même assez petit. Même Enzo, qui est tout petit comme ça, il n'a pas réussi à rentrer à l'intérieur. J'ai resté un coin, c'est différent. Ouais, bah oui, enfin ouais, tu t'es coincé quoi. Oui. Bon, du coup, effectivement, bah moi si je rentre forcément, bah je pourrais pas du tout. Donc ce qu'on va faire les amis, c'est que avant de continuer cette vidéo, je vous demande un petit truc, un petit pouce bleu sur la vidéo. De vous abonner, liker la vidéo, et de vous abonner. Ok. Voilà. Bon, du coup, Enzo, tu peux préparer les trucs en attendant? Pour moi, c'est pas des médicaments, c'est juste tu fais un clic droit dessus, c'est pas des médicaments, si t'avales ça, tu meurs, putain. Ouais, non, mais t'as capté. Et moi, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais tout de suite aller chercher des armes, puisque comme vous avez pu le voir, c'est quand même Mommy Longlegs à l'intérieur, et je vais tout de suite récupérer une petite arme au cas où elle serait prête à nous attaquer, donc juste en dessous de mon lit. Ok les amis, regardez, je viens de récupérer une petite arme, par contre il n'y a qu'un chargeur avec 6 munitions, j'espère que ça fera l'affaire, et je pense qu'à présent on va pouvoir y aller dans le trou. Oui. Regarde, il m'en a donné. Oh oui, t'es devenu tout petit. Je les ai préparés, viens voir. J'arrive tout de suite, je suis là. Alors, du coup le T égale normal, c'est pour se transformer en normal. D'accord. Et T égale 1/6, j'ai 1/6 de ta taille. Ok, ça c'est...
Waouh, je suis devenu tout petit, les amis, regardez. Je... Oh, je peux t'écraser, s'il te plaît. Non, m'écrase pas. Ok, je redeviens grand. Bon, les amis, je pense que avec ces capsules, on va pouvoir rentrer dans le trou. Et j'ai hâte d'aller voir Mommy Longlegs. T'appelles ça des capsules? Bah, c'est des mini-capsules, enfin, t'as capté, c'est... Ça s'appelle des récabilibrateurs. Des récabilibrateurs. Tu respectes le prénom, donc ça s'appelle? Non, mais... Excuse-moi, le scientifique. D'ailleurs, les amis, ce trou-là, ça fait combien de temps, en fait, qu'il est ici, vous savez? Laisse-moi l'analyser. Il y a de la terre partout, j'imagine que ça a été creusé. Oui, ça a été creusé, mais je crois que ça a été creusé très récemment, non? Oui, quand il y a encore les bouts de terre. Ouais. Ça a été creusé très récemment que la personne a eu la flemme mais ça faisait... de... Par contre, je trouve plus du tout où est-ce qu'il est le trou, il est où? Jinan, derrière, là-bas. Ah oui, ok, je vous suis. Bon, je me suis déjà perdu. Jinan, c'est pas le portail du monde à l'envers, là-bas? Je sais pas du tout, mais effectivement, les amis, là, il y a juste un portail. Peut-être que c'est le portail du monde à l'envers. Peut-être que c'est le retour des démons Gorgon dans les prochaines vidéos, mais suivez bien toutes mes prochaines vidéos, les amis. Ok, les amis, nous avons retrouvé le trou, et... Mais Sonic, fallait prendre le recalibrateur, là, ou je sais pas quoi, pour que tu deviennes petit. Regarde, tu te retrouves coincé. Bravo. Voilà, vas-y, prends-le. J'ai vu en premier. Oui. Oh là là, les amis, c'est parti. On fonce à l'intérieur. Let's go. J'ai jamais vu une chute aussi longue de ma vie, hein. Attendez, poussez-vous. Ok. Demi-tour, je pars. What? Les amis, regardez, nous sommes arrivés dans la passe secrète de Mommy Longlegs. De l'argent. Oh, mais arrêtez de penser. What? Oh, attendez, il y a 4 tombes. Mais à qui appartiennent ces tombes? Alors, ça, c'est pour Fanny. Oula. C'était quoi ce cri vulgaire là? C'est qui elle? Rends mon argent. Je te donne pas. Sonic, rend l'argent de Mommy Longlegs. Oh, elle a une arme. Non, regarde, alors, oh, attends, mais pourquoi tu nous as enfermés, Mommy Longlegs? Je veux mon argent. Sonic, rends l'argent. Non, je te donne rien et t'es coincé. Sonic, rends-lui l'argent tout de suite. Et viens. Ok, je donne dans ce coffre. Viens voir. T'as 2 secondes pour le donner. Allez, vite. Ok, attends. Ok, bye. Oh non, il y a Sonic qui vient de mourir sous mes yeux. Il y a même pas ses cendres. Si jamais vous voulez qu'il revienne en vie, vous avez juste à vous abonner. Sinon, bah il reviendra jamais. Likey, faut préciser likey. Oh non, mais Mommy Longlegs, pourquoi t'as fait ça, Sonic? Il a volé mon argent. Ouais, c'est vrai que c'est pas bien de voler. En vrai, je crois que t'as bien eu raison, mais enfin, bref. The Cheese Man. Voler n'est pas bon. Bon, dis-moi, Mommy Longlegs, comment t'as fait pour entrer dans ce trou-là? J'ai vu qu'il était quand même petit. Bah, je l'ai créé. Et toi, t'arrives à passer dedans? Alors, moi, je suis jamais ressorti. Tu l'as vu, le chapitre 2 de Poppy Playtime? Je voulais y jouer, j'ai eu peur. Et elle fait peur avec son arme, je me cache. Bah, moi, je voudrais bien jouer. Du coup, dis-moi, Mommy Longlegs, ça appartient à qui, ces 4 tombes, là? Bah ça, c'est le premier, la personne qui regarde ces vidéos et qui n'est pas abonnée. Ça, c'est la personne qui regarde la vidéo et qui ne like pas. Ça, c'est la personne qui regarde la vidéo et qui ne commente pas. Et ça, c'est la personne qui regarde la vidéo et qui ne partage pas. Ouah, les amis, du coup, vous êtes obligés de faire ces 4 trucs, sinon vous risquez de vous retrouver ici. Ouah, la dinguerie. Alors ici, il faut commenter, liker, partager. Exactement. Bon. Non, abonner, like, commente, partage. Bon, du coup, mon Longlegs. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire ici? T'as pas une petite mission? Tu veux que je t'aide? Bah déjà, je voulais te présenter mon petit groupe. Donc là, on a... on a Cheese Man. Donc il a pris son nom d'un plat indien. Ouais. Il transforme bien. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et il joue de la batterie. Bon, les faits. Je connais. Ok. Lui c'est Neju, tu vois. Il fait de la guitare électrique. D'accord. Et une pipe, t'as vu, et lui, il fait du piano. Ah ouais, d'accord, stylé. J'aime bien. Et là, il devrait y avoir mon joueur de violon. Mais si tu veux, je peux jouer à ta place. Je peux jouer à la cage.
pas jouer avec toi. En fait, je t'explique, il a été kidnappé, il s'appelait Renou, tu vois, c'était un Ren. Ouais. Non. Et bah, il manque. Oh non, c'est vraiment triste. Bon, ben voilà. Du coup, mes long legs, juste j'ai une petite question là et j'ai pas trop compris pourquoi il y a autant de. Je sais pas trop comment ça s'appelle, attends, c'est des mannequins. Ouais, des mannequins. Pourquoi il y en a autant? C'est pour mon concert, c'est eux qui vont venir assister au concert. Mais personne va payer la place. Ah, en vrai, il y aura aucune vraie personne, ça sera que des fausses personnes quoi. Non, c'est des vraies personnes, regarde, je parle. Eh, hey, coucou toi, eh, hey, salut, moi c'est. Non mais tu trolles, y a rien du tout. Et d'ailleurs ici j'ai également vu des coffres. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Attends, j'ai pas fini de parler. Regarde. Ok, excuse-moi, elle m'a fait un tout petit peu mal. Déjà il parle, je sais pas où t'avais qui parlait pas. Regarde. Et toi là. Ouais. Moi le mannequin. Ouais, c'est toi le mannequin. Ouais. Oh, non mais je crois que mon Milonglex était complètement débile. Hein. Bah non. Ils ont tes tentacules, mon Milonglex. Je les ai un peu coupés sur Minecraft, mais je les rajouterai plus tard si tu veux. C'est vrai que tes tentacules, ils sont pas là en fait. Bon, tu veux que je les ramène alors, c'est ça? Non, ça va aller. Rends-la-moi. Tu me l'as volé dans le chapitre 2, maintenant tu me la rends. Tu me l'as volé. Rends-la-moi, Poppy. Bon, du coup, Mommy Long Legs, pourquoi il y a autant de sang par terre? Ça te dit que je fasse un peu de ménage? Non, tu fais pas le ménage, tu vas devoir retrouver mon renne. Ton renne? Tu t'appelles comment déjà? Où est-ce qu'il est? Bah, je sais pas, tu m'aides à la retrouver. What? Non! Elle a remis ses tentacules vraiment dégueulasses! Mais ça fait peur. Ouais, clairement. Bon, moi, trouve des échelles pour s'enfuir d'ici. Ok, d'accord. Bon, je vais essayer de retrouver s'il n'y a pas quelque chose. Normalement, ici, les amis, dans ces coffres-là, je pense qu'il y a moyen de retrouver quelque chose. Donc, dans ce coffre-là, non, nous avons rien du tout. Celui-ci, non plus. Et celui-ci, non plus. Il n'y a rien du tout dans cet inventaire. Où est-ce que je pourrais trouver... Oh, regardez là, les amis. En dessous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Ah non, il n'y a rien du tout. J'ai cru avoir vu quelque chose, mais non, il n'y a rien du tout. Où est-ce que je pourrais trouver un petit trou avec un coffre caché? T'as pas une indice d'énigme, Mommy Long Legs? Peut-être dans les coffres là-bas, viens voir. Bah, dans tous les coffres, j'ai regardé, il n'y avait rien du tout. Peut-être qu'il y en a un caché. Ah ouais? Ah oui, là-haut. Hein? Oh, j'ai un livre! Ici? Je l'ai même pas alors, vu. Là, Mommy Long Legs, c'est très méchant ce que t'as dit. Pourquoi montre? Je vais voir. Regarde ce qu'il y a écrit. Eh bah non. Ah bah non, c'était du troll. Bon, regarde, il les tombe peut-être. Ouais, bah justement, c'est ce que j'étais en train de faire. Je suis sûr qu'il y a moyen de trouver quelque chose. Alors là, c'est un peu. Oh, regardez les amis, on a des échelles. Let's go! Oh, je peux les avoir. Allez, au moins. Ok, yeah. On monte. Par contre, toi, tu restes ici, mon Mommy Long Legs. Allez, c'est parti. On monte. Hop. Tu montes ça, je reste ici. Oula. Okay, oh mais t'as cassé moi ça, je reste ici. Ah, je suis tombé. Okay. Ok les amis, nous avons réussi à sortir de ce trou et il va falloir trouver ce fameux Renou. Alors je sais pas trop Renou. À quoi il ressemble, mais je pense qu'il y a moyen de voir qu'est-ce que ça pourrait être. Alors ça c'est le trou de comment il s'appelle du mec orange là, de Maylin. Ouais voilà. Ah, bah elle est pas morte. Ouais, bah elle est finito. Oh, c'est un fond vert. Youp les gens, c'est Jotisnan, c'est un fond vert. Non, mais stop. Attends, regarde là, il y a une cage. Attends, il y aurait pas quelque chose dessus? Il y a une sorte de quelqu'un. Il y a quelqu'un en fait. Je crois qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Vous êtes qui? Oh, décrivez mais... votre identité. Mais regarde, c'est pas le renne. Et ce serait pas le tout Renou. Renou. Oh, attends, ah. mais qui c'est qui l'a enfermé ici? C'est peut-être Gyogi, non? Je sais pas. Oh, regardez les amis, il y a Renou qui est ici et il va falloir vite l'aider puisque juste en dessous il y a de la lave et si elle tombe, elle risque tout simplement de mourir. Effectivement, comme un être humain comme nous et toi qui pourrait mourir et tomber et mourir. Bah ouais. Allez le coupon, ouais. Alors tu mets pas là sinon je te pousse. On les pousse pour une pioche, ouais. Réfléchissez. Ouais, du coup comment on fait? Ouais, il va falloir atteindre déjà la cage et récupérer une pioche. Bravo, tu vois, on trouve des blocs, je sais pas. Bon, je vais essayer de voir si dans la maison il y aurait pas quelque chose, parce que peut-être que celui qui a enfermé Renou se cache tout simplement ici. Donc forcément, il doit avoir de quoi libérer Renou. Alors essayons de voir s'il n'y a pas quelque chose de caché en dessous des tapis. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, il n'y a rien du tout. Est-ce que dans les fous. Mais il l'aurait pas mis dans cette maison, il est pas bête.
Ah oui, pour de vrai, j'allais le dire. En disant, est-ce qu'il va vraiment mettre quelque chose? Peut-être dans la maison voisine? Ouais, chez Emma, ouais, c'est Emma, je sais pas, ça doit être quelqu'un qui est mort. Attends, vous pensez que c'est son... Attendez, me dites pas que c'est Emma qui a quand même enfermé Renou. Qui Emma? C'est qui? Vous la connaissez? C'est elle qui a tué Renou, c'est elle qui a capturé Renou, je la tue. Non, 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 non. Regardez les amis, comme par hasard, j'ai ouvert le premier truc, bah le frigo, et je vois une pioche. Bah, une pioche dans un frigo, c'était tellement improbable, mais tant pis, c'est pas grave. On a réussi à retrouver de quoi libérer Renou. Du coup... Eh, du coup, c'est Emma qui avait la pioche? Non, 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 pas du tout, je pense pas, hein, je pense pas que ce soit Emma. Mais c'est qui Emma, Jinan? C'est qui? C'est ma nouvelle copine. Ah, t'es une copine? Ah, Renou! Ok. Oui, c'est bon. Renou, t'es où? Allez, venez, venez, on va le poser dans sa salle de concert. On l'a libéré! Allez, venez, venez avec moi. Ok, vas-y, on te suit. Ok, nous voilà de retour dans la base. Enfin, plutôt dans le trou secret de Mommy Long Legs. C'est lui. Oh. Allez, nous, on va faire un concert. Allez, allez, poussez-vous là-bas, je vais faire un concert. Ouais, libéré, délivré. Moi, c'est Mommy Long Legs. Alors, les amis, je vous mens pas que ça fait un peu mal aux oreilles. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Et abonnez-vous, je vous tue. À la prochaine. Abonnez-vous.